Bonjour, bonsoir tout le monde. Jodi a nous ensemble avec un gros réalisateur et ça veut dire nous allons parler du cinéma. Et m'a présenté nous Vilma Bruni qui est avec nous là, qui va parler nous de qui ça yon acteur. Et Vilma m'a pas mal fait pour parler en pile par rapport avec une page qui production pour la diriger que les bébés production dans la caille côté moi des font publication côté des TikTokers des monde qui fait contenu et moi j'ai publié une monde ça comme acteur et puis de la réagir de façon et capable dire et en pile commentaire tu as fait côté moi pas d'accord que tu dis monde ça c'est des acteurs qui ont dit parce que monde pas de l'enfance. Et est-ce que vous-même, vous êtes capable de plus d'explications sur ça, sur les acteurs? Et. Ok? Je vous remercie. Et Vivi, d'être une bonne chance pour être capable de faire et de préciser ça. Et. Pour un peu le monde, et. L'on parle des acteurs, en plus le monde, par exemple, on parle de monde qui fait, qui a su le cinéma, en plus l'Haïtien, il faut que le monde vienne dans un film, il est capable de considérer comme un acteur. Pas oublier, avant qu'on connaît le mot acteur, qui ça le dit, et nous pouvons avoir des précisions pour capable de gagner plus d'informations sur ça. Et qui est un acteur d'abord? C'est ça que je veux dire. Qui est un acteur? Un acteur, c'est un monde qui là, qui joue un rôle dans un film. Mais le monde n'est pas seulement capable de jouer un rôle dans un film. Le monde est capable de jouer un rôle dans un événement, et un événement culturel, un événement sportif, et puis un événement politique. Un monde qui joue un rôle important dans un événement, son acteur qui est là. Ok, ça c'est une bagarre nous allons commencer à connaître. Nous allons taper. Nous allons déjà loin pour ça. Nous allons taper sur Google. Nous allons commencer à parler ici seulement du monde qui joue dans un film. Ok, nous avons plusieurs exemples devant. Et nous allons apprendre par exemple, nous allons parler d'acteurs politiques. Des acteurs politiques. Par exemple, Maurice Jean-Charles, si nous allons si permettre de faire pour des décisions pour nous, Maurice Jean-Charles, c'est. Donc, à partir de Jean Charles, c'est un acteur politique par rapport à l'événement qui se passe là. On a parlé les gens qui sont parlés autour, les acteurs politiques. Ok? Mais, Mounsa yo qui a fait des contenus sur TikTok, sur les réseaux sociaux, Mounsa yo, ce sont des acteurs médiatiques. Mounsa yo, tout, ce sont des acteurs parce qu'ils ont créé contenu, tout, pas oublié tout. Ça que nous avons critiqué, et sous paille, les bébés productions dans la taille, côté que nous avons publié, et Belle Enfant. Nous disons que c'est une plus belle actrice et qui vient de la communauté noire. En tout le monde est fâché. Pas oublier Belle Enfant. Et c'est un acteur qui est lié tout. C'est une actrice qui est lié, disons. Ok, Belle Enfant, niveau 2. Et ils ont créé pour le scénario par eux sur les OA. Et si séquence Belle Enfant est qu'on a chaque jour sur les réseaux sociaux, ils ont créé moyen pour gagner un public bien déterminé qui a suivi. Ok, Mounsa aussi, acteur, il est dans ça à faire. Ok, ça ne veut pas dire que vous n'êtes obligé de faire jouer dans un film pour dire que c'est un acteur. Ou qu'il pas jouer dans un film, ou qu'il y a un artiste qui fait de la musique, son acteur pour lui. Richel, c'est une actrice qui est. Quel événement qu'il a fait, c'est Richel qui en vogue dans l'événement ça. Dans l'événement ça, vous dites, parmi les acteurs qui étaient là, Richel était présent, vous avez dit, Wendy, c'est un acteur qui est lié tout. Un acteur, c'est le monde qui domine, son personnage qui est important, son personnage qui a fait parler des millions dans un événement, ou dit que c'est un acteur qui est pas obligé seulement, il faut que le monde c'est dans un film pour jouer, pour qu'il puisse considérer comme acteur. Comme l'air fait nos défauts, et je connais bébé, et je pense qu'après, on a pris des précisions et on a pris des informations pour ça, pour nous capables de parler plus de ça et on est acteur. D'accord, acteur, d'accord. Et puis nous allons parler plus tout pour nous parler de ça en filmier. Et nous allons parler, nous allons faire pile de bagages que nous-mêmes, ou pas qu'on ait partagé avant, il y a des formations qui vont être faites sur Paysa. Et je pense que c'est bien plus de m'inviter pour nous capables
participer avec nous dans le type de émission ça. Et l'air fait nous des formats après mettre des ça va copier avec nous. Vilma Bruni, et comme le a fait nous défaut parce que c'était rectification que nous avons besoin pour le monde qui n'a pas de compte à accueillir, pas de compte si le monde a fait créer contenu et sur les réseaux sociaux si c'est accueillir, qui est mon acteur. Et nous avons invité Vilma jeudi à la émission Frais de production Talent la Caille sur cinéma pour nous plus d'explications sur qui est mon acteur. Qui est un monde et capable de considérer lui qui est capable de dire que lui pas acteur. Ok, c'était une sorte de précision que nous avons avec Vilma ici à là pour porter pour nous pour expliquer nous très bien qui ça acteur est. Merci, m'invitez nous à like et partager toute vidéo nous sur page là et puis abonner, pas oublier abonner et vous êtes capable de nous tous sur YouTube. VB Production, tapez VB Production et puis vous pouvez monter et vous pouvez abonner et vous pouvez liker la vidéo nous et puis quittez commentaire pour nous capables de connaître qui ça vous pensez de travail qu'on a fait. Merci, à la prochaine.